Ce dimanche est le quatrième dimanche de Pâques. Les lectures de cette semaine comparent Jésus à deux choses différentes, une pierre et un berger. En première lecture, Pierre dit que ce Jésus est la pierre méprisée de vous les bâtisseurs, mais devenu la pierre d'angle. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez des gens qui construisent une maison en pierre. Les constructeurs veulent construire les murs en pierre, mais il y a une pierre qu'ils n'aiment pas et qu'ils ne veulent pas utiliser. Cependant, cette pierre est en fait la meilleure pierre. Cela devient la pierre d'angle. La pierre d'angle est la pierre la plus importante car elle soutient toute la maison. Jésus est comme cette pierre parce que les gens ne l'aimaient pas et l'ont rejeté. Il a été crucifié et est mort. Jésus est comme la pierre d'angle parce qu'il nous soulève du péché par sa mort et sa résurrection. Toute notre vie repose sur son amour. Ensuite, dans l'Évangile, Jésus s'appelle lui-même le bon pasteur. Tout au long de l'Ancien Testament, les gens appelaient Dieu un bon pasteur. Il prend soin de son peuple comme un berger prend soin de ses brebis. En s'appelant le bon pasteur, Jésus dit qu'il est Dieu et qu'il prendra soin de nous aussi. Nous voyons cela quand il se sacrifie pour nous sauver, comme un berger qui ferait tout pour protéger ses brebis. C'est fou de penser que Jésus, qui est Dieu, mourrait pour des gens qui l'ont rejeté et qui le rejettent encore. Cela montre à quel point son amour pour nous est profond. Jésus est aussi un bon berger car il connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Nous sommes le peuple que Jésus aime. Il nous connaît et nous sommes faits pour le connaître et l'aimer. Il nous conduit à la vie éternelle, si nous voulons l'écouter et le suivre. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Vous pouvez également soutenir Catholic Kids Media sur Venmo ou Patreon en utilisant les liens dans la description. Merci d'avoir regardé!